de la semaine, retour de la semaine, Ezali Bongoba, information à Congo, proverbe 30-30, le pasteur de la diaspora, Ayela Rabino, chaque samedi. Actualité à Mounene, Ezali Bongo, Niki Hale, Niki Hele, Aza Bongo, na Kinshasa, mais à Kitaki par Goma, na avion militaire, na ba poli, na ba soldat américain. Est-ce que 20 ans après, message à Richardson, na Mobutu, ils allaient la même chose, Oyo et Memi Soussou, Niki Hele na Congo, parce qu'à lâcher phrase Oyo, ce ne serait pas une démocratie si le pays continue à tolérer que les populations souffrent. Et à niveau, il y a Somalie, place à Zalaki, je crois, dans le pays, beaucoup à Somalie, tout na Kenya, place à Zalaki avant na Congo, alors lui, Kabila, il faut comprendre que tant ici, qu'il faut tika, abîme à la grande porte. Est-ce que amemaki message il y a libération à Congo ko benga na Kabila to baye ko beta lisano il y a prolongation sous soit Kabila parce qu'il y a une élection qui est en 2018 to la nanano analyse oyo il y a RFI oyo kama nini ezo na Congo à vous parce que je vois très mal véritablement ce que ces messieurs des instances de la transition vont gérer, ils vont juste gérer ce que voudra bien que ce que M. Kabila voudra bien qu'il gère, parce qu'aujourd'hui, la gestion politique, l'avenir, je dirais même, de la RDC repose entre les mains de Joseph Kabila, d'autant plus que la communauté internationale reste complètement, pas muette, mais ambiguë. L'ONU est ambiguë, son représentant à Kinshasa est ambiguë. Ambigu, ambigu, on ne sait pas exactement bah, caprice, il y a connexion. Exactement ce qu'il dénonce, ce qu'il ne dénonce pas, c'est exactement la même chose. On ne sait pas ce que l'ONU dénonce, ce qu'il ne dénonce pas. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à la suite d'un vote de l'Assemblée générale de l'ONU, sans commentaire. Vincent Lejeune, dans cette guerre d'usure, la coalition de l'opposition peut-elle tenir ? À mon sens, non, parce que comme traditionnellement dans ce type d'épreuve de force, il y aura toujours une tendance qui sera encline à négocier pour préserver l'essentiel. L'essentiel peut-il être préservé ? On en doute. Et une tendance qui, elle, sera plutôt vers la radicalité, avec des personnages dont il ne faut pas oublier l'existence, sinon la présence sur le sol congolais, c'est-à-dire Moïse Katumbi, par exemple, voire quelqu'un comme le professeur Denis Mukwege, dont l'engagement paraît aujourd'hui chaque jour plus patent. Si les enjeux n'étaient pas aussi brûlants, il y aurait matière à ironie. 504 jours, pourquoi pas 503 ou 505? Est-ce un hommage à une berline fameuse au sud du Sahara? Par ailleurs, très franchement, c'est un jeu de dupes. C'est-à-dire que tout ça, ça occupe les médias, les chancelleries, les diplomates. L'essence de l'enjeu dont je parlais à l'instant, il n'est pas là. Il est tout simplement qu'on a un homme qui détient le pouvoir et qui fera tout ce qui est possible, quel qu'en soit le coût humain, politique, social, pour se maintenir. Il n'est que de regarder qui détient la réalité des leviers du pouvoir aujourd'hui. Et on s'aperçoit, et on dira la même chose tout à l'heure sans doute du Togo, que ce sont des sécurocrates, que d'une certaine manière d'ailleurs, Joseph Kabila est bien moins présent dans les conseils des ministres. Il paraît qu'il ignore même le nom de certains des secrétaires d'État de son propre gouvernement, que dans les cénacles militaires, car au fond, ça reste fondamentalement un chef de guerre. Et donc il transfère sa stratégie guerrière sur l'échiquier politique navrant que Hassan décrivait à l'instant. Oui, d'abord, Kamayou, la situation dans le Kassai, est-elle un alibi politique dont s'est servi Joseph Kabila aujourd'hui? C'est pas vrai. C'est difficile dans cette zone-là, mais il n'y a pas que cette zone. De mon point de vue, la RDC est un pays d'une tragédie sans fin. Quand on a lu la tragédie du roi Christophe, on la transpose là, on a exactement la même chose. C'est-à-dire que depuis le roi des Belges, qui était le propriétaire de ce pays avant d'en faire une colonie pour la Belgique, on est parti de tragédie en tragédie. On a l'impression que c'est une roue sans fin qui tourne et qui continuera de tourner au détriment des Congolais. Ceux qui ont jusqu'à présent tiré leur
Dieu, c'est pas la population. On a parlé d'année zéro avec l'élection de Kabila, mais on est là revenu dans la logique qui préside à l'histoire de ce pays qui reste très tragique malheureusement. En 2006, à Hassan Diop, lors du premier scrutin pluraliste, il avait fallu juste 16 mois. Oui, mais enfin, et même moins. C'était des élections pipeau, enfin, c'est, je veux dire, je crois qu'il faut vraiment être sérieux. On ne peut plus aujourd'hui parler de la situation politique en RDC, parler de la manière dont M. Kabila s'y prend pour se maintenir au pouvoir, parler de toute cette caricature, hélas, bien trop tragique, parce que des centaines de milliers de personnes y ont laissé leur vie au cours de ces dernières années, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une grande partie du pays est en guerre permanente, l'est du pays, ensuite ça s'est prolongé au Kasaï, demain on... Et la situation dans l'est n'avait pas empêché les élections. Exactement. De 2006, voilà. Demain on va nous trouver une autre raison pour nous dire que, écoutez, on siffle la fin. Demain on va nous trouver une autre raison pour dire que on doit pas aller aux élections. Voilà, on est là, débat, il y a un confrère, il y a un journaliste, il y a RFI en France, il y a un peu de situation, il y a très grave, très grave. Tomoni Nikki Haley, ou Azali Bongo, ambassadrice, il y a Nations Unies, na ONU, Ayaki, comme on a Kabila, mais il y a un mois, aïe, na avion militaire, na ba militaire, a quitté Kinshasa, a quitté Kitana Goma, a défié Kabila, a parti à Libanda. Dès Kabila qui n'a pas le bon moment à Congo, l'élection est à la tête de Libanda. Il peut abandonner sa Kabila message à Libanda. L'air est sur place. Il y a une opposition. Il y a une batoua Seni. 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 Senko plutôt. Batoua Senko Balobi. Message à moi. Il y a comme ça. Balobi que. Les évêques insistent sur l'application de l'accord signé le 31 décembre 2016. A dit Top Congo FM, l'abbé Jean-Marie Bomengalo, Nikki Haley s'est rendu à la Senko pour s'enquérir de la situation dans notre pays, notamment la signature de l'accord qui a été signé, précise le chargé des communications de la Senko. Les évêques ont réitérer leur préoccupation de voir cet accord appliqué. Quand les évêques insistent sur l'application de l'accord, c'est que quelque part, il y a un problème. Donc, Oezali, message, Batine Libiso, évêque, Bazo, insister, application à l'accord, Oezali, déjà bafoué, Kabila, dribla, Bango, Salanyoso. Alors, tu évites, RFI, Balobi, que ONI, la communauté internationale, Baza, ambigu, tu évites position à Bangote. Est-ce que bazana ba congolais to bazana ba congolais mais lika mo kamwa to moni lere Nikki Haley aye a imposé opposition basangala lisusu to moni Tshisekedi Félix Oazonga ki avec succès na Kinshasa pe batobele bazomi tuna est-ce que ba soda oyo ba encadré ki retour à Félix Tshisekedi na Kinshasa bango wana te ba encadré ki ne mona sebi alors ceux qui batonyo surtout ba condamné ki Basoda ou Bankadre qui ne m'ont lancé. Mais différence, c'est Zanini entre Basoda ou Bankadre, Félix, le 27, Naba ou Bankadre qui ne m'ont lancé. Donc, il y a un peu de liaka, de melaka, de zosala, de aventure. Mais peuple congolais, tu racontes ni na oyo, ni qui hele aye oloba, ni na oyo, Kabila zo préparé, ni na oyo, position zo loba. Biso semeli to benga na Kabila parce que Kabila a mandat, a sans mandat, a illégal, a criminel, a li mutu oyo a niati ni na biso constitution na biso, a li un infiltré oyo a infiltré et mboka na biso a koti si ba paya ba généraux ba rwandais ba si ba généraux na biso ba si ba soldats na biso mikolo no soto na Kinshasa insécurité et comment notoire, c'est-à-dire Kabila pour a vivre bien en pouvoir. Il faut qu'il y ait insécurité, il y a des journalistes, il y a des gens qui ont été enlevés, il y a des gens qui ont été enlevés, il faut qu'il y ait des gens qui ont été enlevés. Mais pour qu'il y ait des gens qui ont été opposition, il y a des gens qui ont été enlevés, il y a Vitalo, il y a des gens qui ont été Vitalo Caméléon, il y a des gens qui ont été rejoués parce qu'il y a des gens qui stratégie. Natama souka a zonga kan opposition pour a aider cousin na Rwanda ba continuer ko bomana Congo. Mais na ngonga oyo, espérons que
Kabila zong si biso susu na 30, il faut stopper ne Kabila zong si biso susu na 20 ans en arrière, parce que Makambo Richardson a eu sa Mobutu, lelo o 20 ans après, a eu sa susu Kabila. C'est-à-dire que Kabila nous a fait reculer 20 ans après, au lieu de progresser, to kende fold, to kende liboso, to avancer. Biso ba Congolais tous à la INI, biso ba Congolais tous à la Bomoko, et vous à la Malam. Na page commerciale, aux ana colis, aux ana moutouka, aux ana conteneurs, benga branco logistique na Manchester, benga na numéro nanga 079 400 8678, bouquet place na bilo rolo yo koma. Alors, message à sous capoto kabwana week-end à l'heure, parce que c'est breaking news, retour de la semaine, ma kamouni les gars, la semaine, ça m'a poussé, bazo yeb sabiso awa que. Ba fi ebele, ba pasteur ba lakaki bino na 2016, ki ane ou si la te boko bala, ane ou si la te boko bota, alo to tira ga na 2 mois, bo banda ko rappele bango ki ba profesi na bango e simbite. Bo banda ko rappele bango ke, ma amnous ba lakaki bino eza lukuta, bo banda ko yeb sa bango ke, eza li lukuta, ba tika ko kose na bino makambo, paske bo lembi bango, bo banda ko yeb sa bango ke, ngunga oyo, nzamba ko beta moko na moko, ndenge abeti olangi pe akobeta ba kutino ba kankenza ba walesa groupe nyoso tu ba ndoki ba Micheline Chabani na mobali na ye na ba o nyoso tu bazo salela gege donc yakoka mo pe nsusu wankovia autu yeb sabiso ke soki Moïse mbi akoti lola soli kafuta akoti lola gege mbi akoti lola ye pa akota lola parce que maman nous surtout bah Simba Gouga et Sika Moko. Donc à toutes les filles et à qui les pasteurs avaient promis le mariage en 2017, je vous rappelle juste qu'il reste que 10 week-ends d'ici la fin de l'année. Que Dieu vous garde et espérons la remontada de la dernière minute. Bah si nous surtout on va passer la promettre bien que Gouga la néo vous tirez dans 10 semaines pour donc, tout espérer que remontada et vos ala pour être beau remonté. Alors, et ce n'est pas que hier soit mon conti, hier soit mon aîné, tous allés dans le système, il y a un zété à Moïse, un zété, il y a Pharaon. Dans le dénominateur commun, bango mi balé, ce qui au bois qui va mon amabélé, il va le nyoka. Mais l'eau, quoi, au moi, et l'eau, que ça, madame. Zete à Moïse, tant que baloki nyoka, et bani ko mela ba nyoka ya Pharaon. C'est-à-dire, keba, ko tumbola un vrai serviteur de Dieu. Week-end, madame, tout mon ami, dimanche, pona, basamo ya Congo, pe mate ya Congo, en attendant, nzambe na nga mon abino. Yesu Nkolo, breaking news!